Maintenant, revenons à notre sujet. Il y a un bamban qui se passe entre Tielso. Écoutons Tielso. Tielso a parlé. Bon, voilà. Donc, je regrette ce que je dis. Et j'aimerais ici, devant vous tous, devant toute la nation, présenter mes sincères excuses à mon frère et ami Max Alain Gradel, footballeur international ivoirien depuis la Côte d'Ivoire, notre beau pays, notre chère patrie. Ce monsieur-là, je pense qu'il mouille le maillot quand même pour ce pays-là, comme nous tous d'ailleurs. Voilà, nous aussi, artistes, on essaie de mouiller le maillot au maximum pour que l'image de la Côte d'Ivoire soit au plus top, au plus haut niveau. Donc je me dois quand même, malgré toute colère, malgré toute rancune, hein, de respecter ce frère-là, de lui présenter mes excuses sincères, mes excuses les plus profondes. Voilà. Max, Alain Gradel, si tu me reçois, si tu me vois, mon frère, je m'excuse parce que j'ai peut-être un peu dépassé les limites. Même pas peut-être, j'ai dépassé les limites sous le fait de la colère. Et je tiens aussi sincèrement à m'excuser auprès de sa femme. Voilà, de sa nouvelle femme. En tout cas, ça. Voilà. Mes frères et mes sœurs, voici ce qu'on appelle un grand homme. Oui. On peut faire palabre. Mais la conclusion de palabre, c'est la réconciliation. Je tiens ici à saluer Tielso. J'ai parlé avec lui pendant au moins près d'une heure. Il m'a dit, mon grand homme, tu es mon grand frère. Je vais présenter mes excuses parce que j'ai dormi la nuit. Moi-même, mon esprit m'a dit non. Il y a des choses, on ne fait pas. Tielso, voici quelqu'un qu'il faut saluer. Maintenant, ce qui concerne Max Gradel et puis Tielso le sultan, j'aimerais dire quelque chose avec tout mon sérieux. Quand un homme, vous savez, dans la vie, il y a des guerriers. Hein. Moi, ici, un guerrier. Tielso est un guerrier. Il y a des gens, c'est des guerriers. Moi, Camille Makoso, je peux me lever un matin et puis il dit, je prends 5 ans d'emprisonnement ferme pour mon honneur. Il n'y a pas peur de prison. Il peut gâter jusqu'à ce qu'on dit, Makoso, tu vas en prison. Il gâte ton corps, puis même en prison. En prison, quand il gâte ton corps, on dit, on appelle ça jusqu'au bout. Mais vous voyez, dans la vie, il y a des personnes qui parlent. Quand on parle à quelqu'un qui dit, je décide de demander pardon, c'est la preuve que c'est un grand homme. J'aimerais maintenant m'adresser à Madame Max Gradel. Tu sais, sous l'effet de la colère, quand une promesse peut-être n'est pas tenue, un homme dit beaucoup de choses pour faire mal. Tu es malien. Mais au nom de tous les Ivoiriens, moi, Camille Makoso, j'aimerais te demander pardon. Parce que tu t'es senti blessé. Tu t'es senti frustré. Mon rêve aujourd'hui, c'est de voir Max Gradel et Tielso le sultan s'asseoir autour d'une table, prendre un verre pour fermer la bouche des rageux, pour fermer la bouche des sorciers. Dans la vie, quand les gens veulent vous mettre en palabre, asseyez-vous, parlez ensemble, riez, ça ferme la bouche des gens. Voici comment prendre le soin de fermer les bouches. Mes frères et mes soeurs, Tielso vient de poser un acte où je demande aux 1000 personnes qui sont connectées de partager la vidéo et les 1000 personnes qui vont partager cette vidéo, que l'Éternel vous bénisse. Je suis fier de Tielso. Tielso, moi, Camille Makoso, je suis prêt pour toi. Oui. Je suis prêt. Parce que voici quelqu'un qui dit, je reconnais mes torts. Et je demande pardon. Combien de personnes le font? D'abord, ce que je sache, je ne suis pas le seul artiste pour arriver sur le pour faire des spectacles. Et deuxièmement, je n'enlève pas mon t-shirt pour montrer quoi que ce soit. Des barbelés ou quoi que ce soit. Les Américains qui enlèvent leur groupe pour faire des prestations. Donc vous êtes américain. En gros, disons, moi, c'est comme ça que je vis. Mm-hmm. Moi, j'ai rêvé d'avoir la vie d'un américain depuis petit et je suis dans ma bulle. Donc je fais ça, pas pour monter des tablettes ou quoi que ce soit, c'est pour me sentir à l'aise. Mm-hmm. Quand j'enlève mon haut, je me sens à l'aise. Tranquille.
J'étais mannequin, mais je ne fais pas pour montrer à la gente que voilà, c'est ça. Non, non, je fais ça parce que ça me plaît. Mmh. Je suis comme ça. Je me sens à l'aise comme ça. Nous faisons du marketing. Ce qui me plaît, c'est ce que tu donnes. D'accord. Il y a des gens à qui on a dit, oh, ils chantent rien, ils chantent quoi, ils chantent rien, ils chantent quoi, ils chantent rien. Aujourd'hui, il y a ces personnes qui ont évolué de ouf. Mmh. Tout un pays compte sur eux pour représenter dignement leur drapeau. Pour ça, ils n'ont pas changé. Juste quelques petites innovations. Écoutez, aujourd'hui, le coupé de Calais est confronté à un truc où on ne peut pas sortir des suites. Si forcément, on veut forcément écouter tout le monde et faire ce que tout le monde demande. Les mêmes qui te diront, c'est les mêmes beats. Le jour où tu vas changer, ils vont te dire, oh, tu n'es plus inspiré. Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Exemple, avec Goumouli, on a eu, j'ai vu. Goumouli, ça donne autre chose hein, quand c'est changé. En fait. Ah, c'est changé, c'est vous. Est-ce que moi j'ai changé? Non, c'était juste un titre informatif, en fait. Ouais, Goumouli, ouais. C'est Goumouli, moi. Donc, après, tu vois, j'ai fait Goumouli, j'étais en France, j'ai lancé Goumouli. Là, il y a eu une belle innovation. Mais surtout, appréciez le clip. Vous avez apprécié le clip après. Mais la chanson n'a pas été appréciée tout de suite. Ah bon? Mais alors là, va sur le net, tu verras. Les commentaires sont encore là. Ce qui est bon, le net, ça ment pas. Les commentaires sont encore là. D'accord. Mais ça paraît, t'es plus inspiré. Pourquoi tu n'as pas mis la boîte à rythme? Pourquoi tu n'as pas joué ça? Mais c'est froid. Tu vois, c'est comme ça. Pourtant, j'avais fait une belle innovation. Mais aujourd'hui, c'est l'un des titres les plus dansés en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mieux que Tchatcha, vous voulez dire? Pas mieux que Tchatcha. Après Tchatcha, c'est le type le plus dans son jeu. Très bien, d'accord. Alors ici, on a oui, allez-y, monsieur le procureur. Oui, monsieur le juge. Safarel disait tout à l'heure que les fans se plaignent. Parce que si jamais ils changeaient de beat. Et pourtant, il y a quelques minutes, il disait faire ce dont il avait envie. Comme ce dénudé système. Alors aujourd'hui, je ne comprends pas maintenant qu'ils prennent en compte l'avis de ses fans. Non, ça, tu m'as dit, c'est les fans bon, qui disent que c'est ça et c'est ça. Ça, c'est pas mon corps. Je fais la musique, d'abord ça doit me plaire. Oui, toujours est-il que c'est ton corps, c'est pas le leur, mais tu le fais par rapport à eux. C'est eux qui se plaignent, moi je me plains pas. Moi quand j'enlève mon haut, je me plains pas. Oui, mais par rapport à Goumouli, tu as fini par les écouter. Non, on dit que tu vas rester dans le même beat. Non, j'ai toujours dit, moi je fais ce qui me plaît d'abord. Goumouli, ça me plaisait, c'est pour cela que je chantais. Après, tu viens de me dire que là, ils disent que tu ne changes pas. C'est parce que ça me plaît que je change. On vous dit aussi que vous avez signé un contrat à vie avec votre arrangeur, monsieur le juif. Monsieur le juif. Ouais. Ben c'est ce qui est à la base au fait d'avoir une répétition constante des mêmes beats. Ben non, c'est au fait. Je demande. Et moi, je sais ce que je veux. C'est tout. Moi, je fais ce qui me plaît d'abord. Je ne fais pas ce qui me plaît aux autres avant que ça me plaise. Je fais ce qui me plaît, quand je sens la chose, je sens que mes chorégraphies peuvent entrer, je fais mon truc.